Bonjour YouTube, on continue. Alors, pour vous, il s'est passé 24 ou 48 heures, je sais pas encore. Pour le live, il s'est passé quelques heures le temps que je sorte le petit chien et que je mange. En fait, c'est quoi ça? Affût du parc mobile, affût de chasseurs. Alors, je pense qu'on va aller faire ça. Il reste une photo, puis il reste une cage du rôdeur. Donc, on va aller faire la cage du rôdeur. Et je vais juste vérifier un truc. Donc, au sol, maintenez L2 et X pour charger votre tir de lance-pierre. Ce que je me dis. L2 et X. Voilà, je me dis que ça pourrait être pas mal. Pour aller plus vite. On est à 100 mètres. Hein. Les chasseurs essaient d'installer quelque chose sur ce toit. Est-ce que tu sais dans combien de temps on récupère le camouflage ? 2 minutes, enfin, si tout se passe bien. Il nous le faut maintenant. En attendant que tu le répares, on est exposé. Eh, hey, je fais tout ce que je peux là. Je vois ça. Tu fais trop de bruit, Spider-Man. J'ai vu l'araignée! Très joli ce petit avant-poste! Ça vous ennuie si je le réduis en morceaux? Je peux la voir! Et voilà! Ok! J'apprenne à parer. Spider-Man, ton combat n'est pas encore terminé. Mais non. Encore. Tu vas leur payer par le sang. Libérez-moi. Hop là, voilà. Allez, bim, toi. C'est fini. Et merde, j'aurais dû me heal. Non, 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 c'était pas indigne de Kraven, c'est juste que je reprends, donc on va se calmer 2 secondes. Oh là là, franchement, eh... J'ai foiré mon coup, c'est vrai. Désolé YouTube, vous reprenez une vidéo où je foire mon coup. Le Delta Toile, c'est quand même vachement pratique. Oncle Aaron a placé une cache dans le coin. Faut que je la trouve. Oh ouais. Ok.
cacher ce panneau. Un disjoncteur? Je dois l'électrifier pour entrer. Ça n'a pas ouvert la porte, mais ça a activé le premier interrupteur. Je suis sûr qu'il doit y avoir d'autres disjoncteurs dans le coin pour activer les autres. Ok, alors des disjoncteurs. Oui. Voilà. Un disjoncteur. Oncle Aaron a dû relier ça à un minuteur. Je dois alimenter chaque boîte avant la fin du décor. Donc on en a 3. On va pas par ici. Commencez par l'autre là-bas. C'est pas un disjoncteur ça? J'en vois que 3. J'en vois que 3. Donc on en voit que 3, donc doit y en avoir un par ici de toute façon. On dirait clairement que c'est ça. Hein. Attendez, je vais essayer d'allumer les 3. Je voterai comme une grosse merde. Pourquoi ils s'éteignent ? Plus je suis prêt et puis mieux c'est ou... Donc non, il y a vraiment que 4 panneaux électriques. Ça doit être... C'est pas celui-là?
Je vois pas d'autres lumières rouges. Ah putain, ça va jusque là-haut. À tous les coups, il est en haut. Ouais, il est là. Et le compte est bon. On devrait pouvoir accéder à la cache maintenant. Ok, elle était juste pas du tout au bon endroit en fait. Je regardais plus bas, alors qu'en fait il était plus haut. Plus 3 pièces rares. Alors là, ça me rappelle des souvenirs, neveu. Ma toute première cache. Pourquoi Queensbridge? C'est là qu'il y avait l'arcade Moon Turtle. Enfin ça, c'était avant qu'ils démolissent tout pour construire ce gratte-ciel. Ton père et moi, on y passait tout notre temps quand on était gamins. À chaque fois, j'étais à court de pièces en premier. Mais Jay acceptait toujours de partager les siennes avec moi. Je donnerais n'importe quoi pour retourner dans cette salle de jeu avec mon grand frère. Rien qu'une fois. Il me manque. À moi aussi, tonton. Si seulement oncle Aaron et papa avaient pu se réconcilier avant qu'ils... Bref. C'est compliqué les éliminations. On ferme boutique. Hop là. Donc ça aucun dégât, c'est foutu. Ok. Il en reste un qui est de l'autre côté. Hop là. Ok. Marché conclu. C'est quand même pratique les couloirs devant, hein. Il n'y a pas à chier. Ouais, il y a quand même pas à chier, c'est vachement pratique les couloirs devant. Ah, je reviendrai plus tard.
Et voilà. Faut que j'aille voir Black Cat. On dirait que les lieux ont été saccagés. C'est l'occasion de tester la technologie de Hera que Gamki a améliorée. Des griffures. Ouais. Aucun signe d'elle? J'ai trouvé des griffures avec des traces de métal. Je vais essayer de voir si ça correspond à ces griffes. Ah, il faut juste que j'isole les composants moléculaires des copeaux que j'ai trouvés. Ok. Alors, corruption récente. Détruisez les atomes corrompus. Conservez les atomes essentiels. Vous avez la structure de la molécule est désormais instable. Ok. Ah oui, c'est rigolo. D'accord. Du titane. Et quoi d'autre? Du cobalt. Du cobalt. Bien, on avance. Mais qui a dit qu'on s'ennuyait avec la science? Ah, ça compte pas. Ok. Du tungstène. Ça colle. Ce que j'allais dire, je me suis fait avoir. Gagné. C'est elle. Des traces provenant de ses semelles. Elle a dû se débattre. Elle a voulu prendre quelque chose dans cette cache sur le mur. Ça ressemble à un genre de cache d'urgence. Mais elle est vide. Ouf. Les chasseurs. Ça devrait suffire pour reconstituer la scène. Ils l'ont attaquée. Mais elle a pu s'enfuir. Ils sont déjà à ses trousses. C'est exactement pour ça qu'il faut mettre la ville en garde contre les chasseurs. Elle aurait pu... Ouais. Tiens-moi au courant. Oh ! C'est obligé, c'est elle. On est vite passé de l'avertissement amical à la mission de sauvetage. Vu que j'arrive pas trop tard. Felicia a de la ressource. Mais quand je vois de quoi les chasseurs sont capables, ça ne me rassure pas. Tu t'inquiètes pour l'ex de ton petit copain? Oh, quelle compassion! Ça veut rien dire, c'est pas... Je les ai loupés de peu, on dirait. Est-ce que tu sais où ils sont partis? Je vais scanner la zone pour voir. Un générateur. Je me demande ce qu'il est censé alimenter. Le circuit a été endommagé par l'explosion. Remplacé il y a moins d'un an. Là, j'ai repéré un nœud. Il doit y en avoir d'autres. Ah oui, c'est vrai que sa toile conduit l'électricité à lui. Une nouvelle cache. Mais celle-là est encore verrouillée. Elle a risqué sa vie pour tenter d'y accéder. Il faut que je l'ouvre, mais le courant a été coupé. Pour la retrouver, il faut que je réactive ce générateur. Okay, si je relie ma toile au générateur, je pourrais ouvrir la cache.
Ouais, ouais, ok. On y est presque. C'est vrai que j'avais oublié que ces trucs étaient. Ça a marché. J'avais oublié que il avait du courant. Bingo. Que ces toiles étaient conductrices. Hey. MJ, do you speak French? Not very very well. Mais vas-y, envoie. Ma raison de vivre. Ok. J'ai pas lu la suite. C'est un mode d'emploi pour le sceptre de Watoum. Watoum? Bouge pas, je vais faire une recherche. Les chasseurs. Je sais pas où ils vont, mais je dois les suivre. Alors. Attends, comment il s'est mis en invisible, lui? Pourquoi j'ai pas la visibilité? D'après une traduction de l'arcane mystique, c'est un sceptre antique. Du genre vraiment antique. D'après la légende, son propriétaire peut ouvrir des portails vers... vers n'importe quel endroit. Genre par magie? Qui sait ce que Black Cat ferait d'un tel objet? J'ai deux ou trois idées qui me viennent! Miles, on ne s'écarte pas du plan. C'est Kraven ou c'est... On est en position. Elle est piégée. Ouh la vache. Elle est à l'intérieur, c'est sûr. Max peut se camoufler pour devenir invisible lorsque sa barre de camouflage est pleine. Je sais pas quoi. Ah, ce qu'il a activé ne se régénère. Ok, camouflage. Ok. Elle nous a déjà échappé deux fois, mais pas une troisième. On va la voir cette fois. Hop, je préfère les éliminations en hauteur que les éliminations frappe de toile. Parce que du coup, je dois... C'est vraiment assez cool. Soit Black Cat fait de la magie là-dedans, soit je suis en train de manquer une sacrée reine. C'est assez cool les éliminations en hauteur comme ça. Et pouvoir placer des filins, c'est pas mal. Alors tout à l'heure, il me semblait avoir vu dans les compétences partagées un truc de filin. Double élimination, filin de toile. Vous pouvez maintenant réaliser deux éliminations en hauteur simultanée. Donc ça c'est cool. Donc il nous faut ça, deux. Et ensuite on pourra avoir ça, ok. Dire qu'il se passe des trucs vraiment trop bien. C'est vraiment pas mal. Le filin, franchement, c'est... On va s'agripper plein de monde sur la toile. Bon, je suis désolé, c'est un petit peu...
C'est un peu répétitif. Mais c'est assez rigolo. Je me demande bien ce que ça peut vouloir dire, cette carte postale. Ma raison d'être, le temps presse. Un nouvel amoureux ? Avec Felicia, on ne sait jamais. Hop. On est en train de vider tous les environs là. C'est quand même étonnant qu'ils s'en rendent pas compte. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Elle essaie peut-être de faire diversion. Hop. L'araignée est là. C'est pas mal, hein. C'était vraiment pratique, hein, franchement. Ah, mais c'est le Saint des Saints. C'est le truc de Doctor Strange. Je déconne pas. C'est, il me semble que c'est le Saint des Saints. C'est nouveau, ça. La petite araignée veut jouer, on dirait. Ah, c'est cassé. Donc c'est pour ça, c'est bien de s'en dessin en fait. MJ, elle a volé le sceptre. C'est de la véritable magie. Qu'est-ce qui s'est passé? Hé, hey, Black Cat, on peut discuter? Tu veux bien ralentir? Lâche-moi, sinon je te téléporte dans l'océan Pacifique. Non mais tout accès à ce canal. Vous utilisez toujours l'océan. Et toi, t'as rien de mieux à faire, franchement? Felicia, arrête ça tout de suite. C'est trop risqué, même pour toi. C'est qui? Oh, c'est toi, Rookin? Comment ça va avec la vieille araignée? Wow. Tu peux arrêter de faire ça. J'essaie de t'aider là. J'ai pas besoin d'aide, ni de toi, ni de l'autre araignée. Tu sais ce que tu peux faire avec ce sceptre? On va juste s'en servir pour voler d'autres œuvres d'art. Oh, vexant. Je vous entends, les collègues. Wow. Mais toi, rien. Non mais, Felicia, t'aurais pu blesser des gens. Fais gaffe, les chasseurs reviennent. Hein? Ils doivent vraiment m'apprécier. On peut en finir ce soir. On peut arrêter le type qui essaie de te tuer. T'as qu'à voler ton propre artefact magique. Quoi? J'ai pas d'écharpe sur moi. C'est très très classe par contre. Hein. Vraiment, c'est une excellente... Ce sceptre peut nous... C'est une excellente quête. Ça n'a rien à voir avec Kraven. Très très classe. Elle s'éclate bien aussi.
Donc c'était bien de s'en descendre New York, en fait. Pourquoi tu m'aides pas à arrêter ce type? Tu es Spider-Man. T'as déjà sauvé cette ville, tu peux recommencer. Spider-Man avait raison. Tu ne t'intéresses qu'à toi-même. Écoute, mon grand. C'est pas vraiment tes affaires. Mais ma copine est à Paris. Et à cause de moi, des gens lui veulent du mal. Tu as déjà agi par amour? C'est maintenant qu'elle a besoin de moi, tu comprends? Si seulement j'arrivais à faire plus de 3 mètres avec ce truc. MJ m'a dit de ne pas te faire confiance. Elle est plutôt maligne. Mais je t'invite à faire tes propres choix. C'est la féline! Prenez-la vivante! Elle est à moi! Reste pas là! Portail par ici! Le mode d'emploi de cet artefact n'était franchement pas hyper clair. On dirait bien que tu t'améliores! Oui, mais pas assez! On va réussir à s'en sortir! Ensemble! Alors toi, tu manques pas de culot, gamin! C'est Spider-Man! Je suis plus un gamin! Merci! Ok, Spider-Man. Fais voir ce que tu sais faire. Derrière toi! Ça doit faire mal! En voilà d'autres! Sur le toit! Hé! Hey, utilise ce portail! C'est très sympa par contre le... Oh, joli. Ils ont une tourelle. Encore un portail pour toi. Ok, j'accepte toute l'aide qu'on me propose. Tu connais un sort contre les balles? Ça t'étoile. Vise la tourelle, détruis-la. Hey Spider-Man, tu crois qu'ils viennent voir le pavillon des Otari? Oh, je veux pas rater ça. Est-ce que tu savais qu'une Otari pouvait nager à 40 km/h? Concentre-toi, il y a des chasseurs. Là. Raven doit vraiment tenir à toi. Je suis pas libre. Empêchez l'araignée de lui venir en aide. Ils essaient vraiment de nous avoir à l'usure. Si c'est moi qu'ils veulent, ils devront me tuer. On va éviter d'en arriver là, d'accord? Surprise! Truc de ouf! Désolé, je parle pas des masses pendant le... T'as peur des chiens? Je suis plutôt team chat. Et puis c'est pas des chiens. Ils mordent comme des chiens. C'est pire. Attention au portail. Par ici. Je me fais celui-là. Tu fais pas les choses à moitié. Ils abattent toutes leurs cartes. J'en suis peut-être à ma dernière vie. Non, on va t'envoyer à Paris. Ta copine a besoin de toi. T'es vraiment un Spider-Man, toi. C'est bon. Couché. Coup dans les airs. Hop. Voilà. Ok.
Tiens. Joli. Concentre-toi. Visualise la tour Eiffel. Eh, vas-y, Black Cat. Fonce. Au revoir, Felicia. Salut, Spider-Man. Merci beaucoup. Très très classe. On ramène ça à Dr. Strange, du coup ? Ce que je trouverais vraiment classe. Montre-moi Lee. Un petit message de Wong. Toujours très sympatoche. Ok. Bah YouTube, on arrête là, c'est ça ? Comment va Felicia ? Pour l'instant, hop, elle est en sécurité. On écoute ça. T'as fini ton histoire ? Je viens de l'envoyer à Jonah. Souhaite-moi bonne chance. Tu vas y arriver. Combien de points ? Plus 100 points, donc il nous en manque encore un. Va voir à Coney Island. Pourquoi ça ? Tu sais que Mysterio vient de sortir de prison. Carrément. Il vient d'ouvrir une nouvelle attraction là-bas. Il pourrait être la prochaine cible des chasseurs. Bien vu. Et devine qui d'autre est à Coney ce soir ? Indice, ça doit faire un an que t'en passes pour elle. Mec, sérieux ? Arrête, me dis pas mec. Toi et Ellie, vous êtes faits l'un pour l'autre. Si tu t'entends rien avec elle, tu enfreins les lois de la nature. Ok, on verra. Mais d'abord, on s'occupe de Mysterio. Ok. Et ben YouTube, on arrête là. Bye bye, bisous. Puis vous verrez la vidéo demain ou après-demain, la suite. Ciao, ciao, bisous YouTube.